T'as un problème et c'est moi que t'appelle. Je croyais que t'avais rejoint ta famille. C'est vrai, mais je me disais que... Bon, j'imagine que ça veut dire que tu comptes pas venir, c'est ça? Ok, j'arrive. Oh, merci, ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire plus? C'est quoi le souci? Il faudrait mieux... Laisse-moi deviner. C'est Saul, c'est ça? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Avis à tous les sous-traitants du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Shipyard Way. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. Considérez les suspects comme armés et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralisera la menace. Les autres resteront ici, au camp. Harvey, t'es là. Je veux qu'une patrouille me... Qu'est-ce qu'elle fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Billy Tech, alors du coup, tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer. Tu crois que tu peux interdire à Panam de faire quoi que ce soit? Tu peux me croire, ça sert à rien. Elle en fera qu'à sa tête. Elle fera rien, pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul! T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici? Les choses ont bien changé pendant mon absence. Non, rien n'a changé du tout. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. La puissance est le feu. Je crois pas. Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. C'est quoi, cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra-moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner. C'est ton idée, tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Hydrotechnica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Hé, qu'est-ce qui te prend?
Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement, tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisque? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. Cette blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Bon, à part les quatre vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il n'y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non! Ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans deux camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Super concis, limpide et... Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous? Il y a quelques années... L'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleurés. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il n'avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va, ça va. J'ai rien dit. Personne va remarquer que t'as disparu au camp. Saul a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffens, t'en dis quoi? Ils vont causer des ennuis. C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose. Il s'y prend mal. Il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté, de prendre un nouveau départ. Mais je vais pas non plus oublier cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Pour moi aussi, ça a été dur de quitter ma famille. Mais j'ai jamais été complètement seule non plus. Avec quelqu'un? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Je m'en souviendrai.
On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais. Après, on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûr que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est paraissante, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. Va falloir prendre les escaliers. Besoin de lumière? Bravo! Merci, les gars. Et les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gares d'échange. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on sent... libre. Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Ok, on y est. Carole! On doit chercher quoi? Des cartes perforées. Des cartes quoi? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous. Tu peux m'aider à chercher? Pas de soucis. Rien ici. Elle doit être quelque part dans le coin. Que dalle. Mais regarde bien partout. C'est pas ici. Rien ici. Tiens, tiens. J'en ai une. Bien joué. Carole! On a une carte! On fait quoi maintenant? Il faut la mettre dans le lecteur! Bon, V, la carte! Dans le lecteur! Croisons les doigts. Jouer au petit train. V, t'as un moment, faut que je te parle.
De quoi tu voulais qu'on parle? Tu vas trouver ça bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider, mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté? Oh, attends, tu te méfies encore de moi? Je croyais que c'était réglé. V, je sais que je peux compter sur toi. Mais... Mais... Personne n'a jamais fait autant pour moi avant. Pas sans que ça cache un truc. Oh, arrête. Ok, mais... Merci, V. Je le pense vraiment. Viens, on va rejoindre les autres. Le convoi, vous le surveillez, je suppose. Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. Pose un peu ton cul, ma puce, et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Plus qu'à attendre, alors. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, c'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre. La tête farcie de nouvelles idées, et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an. Super, merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin? On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion! Et à Jackie. Vous parlez pas beaucoup de la guerre. Pour dire quoi? Ils nous foutaient juste dans un Panzer au Mexique, et ils nous disaient « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur GGR voulait pas fermer sa gueule. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais.
Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. Saul a eu raison pour les Snake Nation. Il vaut mieux garder votre indépendance. Autrement, vous pourriez finir comme... Ouais, comme les backers. Mm-hmm. On se débrouillera très bien tout seul. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste quelques bons boulots. Et après, les gens se remettront à parler des Aldes Caldos. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Scorpion serait fier de nous. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. T'arriveras pas à dormir même si t'essaies, hein. Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regardez les étoiles. C'est une autre de tes spécialités. Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon. Bien sûr. Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite. Ouais. Tu la vois? Oh bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, V. Ils arrivent! Tout le monde est prêt? On y va, V! Règle sa vitesse. Ils vont plus vite que prévu. Je sais pas si on arrivera à les intercepter. Faut détacher un wagon, le train prendra de la vitesse. Mais c'est pas le moment d'hésiter, décolle le couplage. Tire sur le couplage! Ah ouais! Suis-moi! Encercle-les dès qu'ils seront arrêtés! Come on, come on!
Tracy! J'ai ton aide! Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Tu peux lui parler si tu veux. Merci, mais non, je m'en charge personnellement. Putain, Panam! Et c'est parti. C'est quoi ce bordel? C'est exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est deux camions avec d'énormes logos Militech. Et putain, Panam, on les repère à des kilomètres! Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule, maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, ben vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça, ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Je crois que ta famille te soutient sur ce coup. Bien sûr. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Personne n'a dit un mot. Ils étaient tous à baver en regardant le basilisque. T'offres un panzer à des nomades? C'était gagné d'avance. On verra. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens.
V. Bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attends-toi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi.